Et salut à tous, c'est Stolgreen. On se retrouve une nouvelle fois sur Death Stranding, donc comment débloquer tous les éléments, donc les équipements, les armes, les véhicules et les exosquelettes. Donc c'est par le biais de commandes que vous allez découvrir de nouveaux lieux. Donc chaque lieu correspondra à de nouvelles possibilités. Donc c'est en augmentant le niveau de chaque lieu que vous gagnerez de l'équipement. Donc le niveau se traduit par le nombre d'étoiles, donc c'est les points de connexion. Donc plus vous ferez de livraison à cet endroit-là, et plus votre niveau de connexion augmentera et vous fera monter votre niveau d'étoiles. Donc j'ai détaillé tous les éléments à débloquer dans la description. Dans la vidéo, vous trouverez les deux cartes. Les numéros correspondent aux lieux qui sont dans la description. Vous trouverez dans chaque lieu les différents éléments à débloquer. Donc il y a énormément d'armes, 3 exosquelettes différents, des véhicules avec plus ou moins de batteries, armés aussi de systèmes de défense, des améliorations pour l'exploration, de la customisation aussi avec des casquettes, des lunettes, etc. Vous pouvez aussi débloquer des hologrammes. Donc la première minute correspond à la première carte et la deuxième minute correspond à la deuxième carte. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour si vous ne trouvez pas un emplacement. Après, ça sert à rien d'aller dans ces lieux si vous n'avez pas de commande affectée. Pour pouvoir débloquer un lieu, il faut qu'il y ait une commande qui correspond. Juste en suivant au final les missions principales, ça vous permet quand même de faire tous les lieux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-moi les en commentaire. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée. We'll be right back.